Tu es propre, mon vieux. Allez, c'est bon. Mon salut, frérot. Alors, tu as fini? Presque, papa. Y a pas moyen de bosser en paix ici. Écoute, la vieille dame a presque fini sa sieste. Alors passe la seconde et récupère ses trognons de pommes avant qu'elle se réveille. On n'a pas fini, les garçons. Alors au boulot. Et je t'en supplie, Émile, arrête de manger toutes nos réserves. Quelle réserve? Rémi, garde un œil sur ton frère, tu veux. Assure-toi qu'il n'engloutisse pas tout. Pourquoi tu marches comme ça? Parce qu'avec ses pattes, je mange. C'est ça, continue. Tu vas entendre papa. S'il y a bien un truc qu'il supporte pas, c'est qu'on se comporte comme des humains. Je sais, je sais. Allez, Rémi, papa veut qu'on lui rapporte des trognons de pommes. Je te montrerai peut-être deux, trois trucs super chouettes en chemin. Regarde, à manger! Suis-moi, on va se régaler. Hé, hey, je croyais qu'on travaillait en équipe. Ben oui, moi je prends la mangeaille sur les pots de fleurs et toi tu ramasses le reste. Hé, hey, Rémi, je vais grimper sur les pots de fleurs. Admire un peu l'athlète. Eh ben, ça promet. Bon, à toi maintenant. Oh là là, comment... Je sais. C'est impressionnant. Parfois, je me surprends moi-même. Bon, allez, ramasse la mangeaille et retrouve-moi au filet de pêche. Maintenant, le maître va te donner une leçon d'escalade. Prends-en de la graine, frérot. Le maître? Ah ouais. Ouais. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Je vais faire le tour. J'ai une idée. On pourrait utiliser ces boîtes pour monter sur le toit. Elles ont l'air assez légères. Minute, papillon. D'habitude, c'est moi qui trouve les bonnes idées. Tu parles de tes bonnes idées qui me fichent toujours dans le pétrin? Allez, t'attends près de la fenêtre. Hé, Rémi! Tu m'as déjà vu en pleine action? Émile, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. T'en fais pas, je suis un vrai pro. Vas-y, à ton tour, frérot. Je t'attends sur le coffre. Regarde, encore des trognons de pommes. Sers-toi de ton super flair pour les trouver tous. Dès que t'as fini, je te rejoins. Attends, pourquoi c'est moi qui fais tout le boulot? Oh, une balle! Regarde ça! On pourrait l'utiliser pour aller là-bas! Oula! Ça va, Émile? Attends, je vais te montrer comment on fait. Ah, n'oublie pas de ramasser la mangeaille! Ensuite, retrouve-moi près de la fenêtre! Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette corde pour monter sur le toit. Quoi? T'es toc-toc, frérot. On est des rats, pas des piafs. Taratata, te bile pas. Laisse faire l'artiste. Admire ma façon d'utiliser mon corps d'athlète pour me balancer. J'appelle ça le coup du balancier. Infernal. Je demande à voir. Prends-en de la graine. Rejoins-moi là-bas, sur le mur. Et n'oublie pas les trognons de pommes. Pas mal, frérot. Tu te débrouilles comme un chef. Maintenant, on va atterrir sur ces poteaux scintillants. Regarde bien. Tu devrais faire attention. Tu pourrais casser quelque chose. J'ai dit regarde, pas critique tout ce que je fais. Bon, retrouve-moi près du tas de bois. Tu peux utiliser ce genre de boîte pour te cacher. Ramasse-la et faufile-toi dessous pour te déplacer incognito.
Donc, si je suis dans la boîte, personne ne peut me voir? Bon, je vais te montrer comment te défendre. Et ça, ça va nous servir d'arme. Émile, tu me fiches un peu la trouille, là. Où as-tu appris tous ces trucs? À vrai dire, j'en sais rien de rien. Qui es-tu vraiment? On croit connaître les gens. Bon, encore un truc et ce sera bon. Là, il va falloir se servir d'un radeau. Et crois-moi, je suis un pro en la matière. Alors admire le style. Et n'oublie pas de ramasser la mangeaille. Comment je pourrais oublier? T'arrêtes pas de me le répéter. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, suis-moi. Tu voulais venir ici, déjà? Eh bien, j'ai besoin de ton aide. Pour quoi faire? Pour ça. C'est un livre de recettes écrit par Auguste Gusteau, mon chef préféré, et rempli de toutes sortes de plats délicieux. Eh ben ça alors, Rémi, je savais même pas que tu savais lire. Viens, allons le récupérer et je t'expliquerai tout après. Papa? Sauf qu'il peut ! On va tous mourir ! Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je me présente. Chef Auguste Gusteau. Je sais qui vous êtes. Silence! Et ouvre grand tes mirettes. Alors, mon gaillard, tu reconnais cet endroit? Je suis pas trop sûr, mais... Oui? C'est Paris? Eh oui! C'est vous qui m'avez mené ici? Pourquoi? Comment? Vous n'êtes pas simplement le fruit de mon imagination? Je suis le fruit de ton imagination. Mais... L'inspiration vient à tous, et surtout au grand chef. À cause des critiques gastronomiques, mon restaurant est passé de 5 à 4 étoiles. Et je crois que toi, mon petit gars, tu peux m'aider à récupérer cette étoile. Réhabiliter le restaurant? Je crois que je peux m'en charger. Thank you.
On croyait plus jamais te revoir, et te voilà dans la cour. Oh, quand papa va savoir ça. Savoir quoi, Rémi? Sacré bon sang, tu es vivant. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, papa. Mais qu'est-ce que tu fais là? Si nous sommes là, c'est à cause du plan que tu as échafaudé à la maison. C'est pas une partie de plaisir de déplacer tout un village, tu sais. Et on n'a jamais réussi à trouver un nouveau goûteur. Désolé, papa. Mais maintenant, je suis là et je vais vous aider. Bon, d'accord. Suis-moi, on a du pain sur la planche. Ah, Rémi, je t'attendais. Désolé, papa, je me suis perdu et je me suis retrouvé à Paris. Puisque tu parles de nourriture, il donne chaque jour un seau plein de restes aux chiens. On doit absolument le récupérer. Oui, mais comment? T'en fais pas pour ça. Sers-toi simplement de ton odorat pour trouver les autres rats dans la cour. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais souviens-toi, méfie-toi des chiens. Des chiens? Ouais. Et c'est ainsi que Rémi quitta la vie simple de la campagne pour monter à Paris, où la vie est, comment dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée. Ah, Rémi, te voilà. Le restaurant de Gusto est juste à quelques mètres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est qu'il y a un molosse qui garde l'entrée de la cour. Tu vas devoir trouver un nonos pour l'attirer ailleurs. Bon, j'ai compris. En route. Bravo, bien joué. Ils sont pas très fut-fut les chiens, tu trouves pas? Bon, maintenant, on doit faire un sort à ces pièges à rats, sinon ça va mal se finir. Tu crois que tu peux t'en charger? Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai trouvé. Pourquoi on n'utilise pas des cuillères pour désactiver les pièges? Mais c'est dangereux par ici. Sois prudent. D'accord. Compris. Bon, parfait. Écoute, sur le toit, il y a une pièce dans un nid. Il nous la faut. Trouve-la et ensuite fais-la tomber dans la gouttière. C'est complètement toc-toc! On fait tout ça pour des restes! Dépêche-toi, Rémi. Émile t'attend pour commencer la mission. D'accord, j'arrive. Bon, maintenant, à toi de jouer. Donne le feu vert à chacun des rats, puis indique la sortie à tous ceux qui restent. Et souviens-toi, il faut faire vite. Ça a l'air plutôt simple. Je me dépêche.
Même moi, je sais qu'un rat près d'une cuisine, c'est mauvais pour les affaires. Ça sent pas bon. À mieux de filer. Comment c'est possible? Soit je me suis cogné plus fort que je le croyais, soit c'est toi le rat qui m'a aidé à faire le potage. Peu importe. Écoute, je crois que j'aurais besoin d'un minuscule chef comme toi en cuisine. Et si je te promettais de ne plus te courir après, tu m'apprendrais à cuisiner? D'accord. Marché conclu. Tu sais, je crois que ça pourrait être le début d'une belle aventure. Tu peux commencer demain? Bon, voyons voir. Sombre, puant, humide. L'endroit rêvé pour une colonie de rats. Allez, Rémi, accélère! Je suis au max, là! La mangeaille est dans la chambre froide. Va dans la cuisine et trouve les autres rats. Ils te diront quoi faire. Tu veux que je vole de la mangeaille? Je ne suis pas sûr que ce soit bien. C'est pour la colonie, fiston. La colonie, je sais, papa. Souviens-toi, pour trouver les autres rats, utilise ton odorat. Et nous voici dans la cuisine, le cœur et l'âme de chez Gusto. Ici, où l'on prépare les gâteaux, c'est la pâtisserie. Et là, c'est la plonge. Là, les fourneaux où les mets sont sautés, pochés, grillés, saisis et cuits à l'envie, juste à côté de l'endroit où nous préparons le potage. Et enfin, la chambre froide où sont conservés nos meilleurs ingrédients. Alors, prêt à farfouiller dans la plus célèbre cuisine de Paris? Tu dois accéder au robinet de gaz et le fermer pour couper le sifflet des brûleurs dans la cuisine. Ça devrait distraire les humains pendant un moment. Utilise une boîte pour monter sur les étagères. Dépêche! Autre chose? Ouais, fais attention à ce que tes ennemis te volent pas la boîte. Il nous faut la spécialité du chef! Illico presto! Thank you.
mal. Bon, allez, on rentre à la maison. Tu dois atteindre la porte du placard. On te jettera une corde quand tu y seras. La poignée, compris. Linguini ! Il nous faut la spécialité du chef. Illico presto ! Tu crois qu'apprendre à cuisiner est un jeu d'enfant ? La clé du cellier est par là. Chipla, les rapporte à moi, tu veux ? Dépêche ! Gaffe au voleur. Il pourrait te la chipper. T'en fais pas, ça va aller. Il nous faut la spécialité du chef. Illico presto! Mal. Oh, bien joué, frérot. Maintenant, allons prendre ce qu'on est venu chercher. La mangeaille. Tu connais la chanson. Donne le signal à chacun des rats. Cuisine.
te voilà. J'ai du travail pour toi, fiston. Je ne veux plus voler, papa. Ce n'est pas du vol. On va aller dans le plus grand marché de Paris. Aujourd'hui, c'est le jour des livraisons, et je compte bien en profiter. Je connais la consigne, papa, ne t'inquiète pas. Sois prudent, fiston. On compte sur toi. Tu as devant toi le marché. C'est là que naissent tous les grands plats. Méfie-toi des humains. Si on te remarque ou qu'on t'attrape, c'est fini pour toi, mon gaillard. Ici se trouvent les marchands de poissons et de légumes, la boulangerie pour le pain, et le boucher. Tu sais ce que c'est, hein? Le boucher pour la viande. Alors, prêt à faire quelques emplettes? Rémi, ta première mission, c'est de trouver un fusible et de me le rapporter. Un fusible? Pourquoi faire? J'en ai besoin pour démarrer le chariot élévateur. Bon, j'y vais. Alors, prêt à continuer l'aventure? Il faudrait que tu caches de la nourriture au marché, qu'on puisse la récupérer plus tard. Il n'y a pas de chien là-bas, au moins. Non, il n'y a pas de chien. Mais il y a des humains, alors sois prudent. Ça n'a pas l'air compliqué. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de chien. Bon, on y est presque. Maintenant, ça va être un peu délicat. Délicat comme, attention, danger mortel? Suis cette vieille dame et mets la mangeaille dans son cabas. On la récupérera plus tard. Alors, on vole de la mangeaille sur le marché et ensuite, on vole une vieille dame. Oh, Gusto va me remonter les bretelles. Qui c'est, Gusto? C'est ce chef, là. Il... non, rien, en fait. Bon, je m'en charge. Si tu as des questions, va voir ton père. Il en connaît un rayon. Tu t'es débrouillé comme un chef. Maintenant, allons prendre ce qu'on est venu chercher. La mangeaille. Tu connais la chanson. Donne le signal à chacun des rats. Pigé. Saleté de vermine, tu ne peux pas m'échapper.
Quelqu'un m'entend ? Au secours ! Les autres humains sont partis. Tu dois aller là-bas et aider tes amis à finir le repas. Alors en route ! Il ne faudrait pas perdre ce restaurant et cette merveilleuse source de mangeaille. Quand il s'agit de cuisiner, je suis toujours prêt. Cet humain est encore là et il est complètement fou. Il va falloir que tu trouves un moyen de le faire déguerpir. Et c'est la salle de bain. Entendu, papa, je m'en charge. Misère, pauvre Linguini. Apparemment, les autres chefs l'ont laissé se débrouiller tout seul. Mais le malheur d'un chef peut faire le bonheur d'un autre. Tu dois l'aider, mon gaillard. Tu es prêt? Il faut qu'on se débarrasse de cet humain. Oui, mais comment? Attire-le dans le placard. Une fois à l'intérieur, on l'enfermera. Tous les humains ne sont pas nos ennemis, Git. Mais celui-là, si. La cuisine est pleine de pièges à rats. Il faut que tu t'en débarrasses. Utilise une cuillère et lance-la sur les pièges, ou essaie d'y attirer tes ennemis. Et c'est parti. C'est pas de la tarte. Elle a besoin du livre de recettes de Gusto. Prends-le dans le bureau et donne-le-lui. Ok, compris. On doit se décarcasser pour sauver le restaurant. Dépêche-toi, le critique vient de passer commande. Il attend. On dirait bien que c'est la fin des haricots pour le restaurant. Donc, maintenant que chez Gusto est fermé, l'esprit du restaurant, l'âme de la grande cuisine, vous la trouverez à la ratatouille. Parce que Linguini et moi comprenons quelque chose que Skinner ne comprendra jamais. Et c'est une chose que Gusto a prêché toute sa vie. Tout le monde peut cuisiner, mais il faut de l'audace pour devenir un grand chef. Merci pour le conseil. Allez, on s'y remet.
Génial! Bon, bon! Merci. Merci pour le conseil. Merci. Allez, on s'y remet. Génial! Bon, bon! Ah ah! Merci. Merci. Merci pour le conseil. Génial! Merci. Allez, on s'y remet. Génial. Bon, bon. Merci. Merci. Merci pour le conseil. Génial! Allez, on s'y remet! Ah ah! Thank you.
bon, bon. Merci. Merci pour le conseil. Allez, on s'y remet. Génial. Bon, bon. Merci.
Pigé. Merci. Allez, on s'y remet. Thank you.
Simple comme bonjour. C'était moins une. Je me débrouille comme un chef. Un grand chef. C'était moins une. Génial! Génial! Merci. Merci. Génial! Merci pour le conseil.
Allez, on s'y remet. Thank you.
Génial! Bon, bon. Génial. En cuisine, les possibilités sont infinies. Merci. Génial! Merci. Génial!
Merci. Merci. Oh, j'ai réussi. Merci pour le conseil. Allez, on s'y remet. J'aime les bonnes choses. Et même, j'adore ça. Thank you.
chef serait si compliqué. Et dangereux aussi. Un petit coup de main. Bon, bon. C'est bon, la hauteur ça me connaît, je maîtrise.
Merci. Je vois toujours la vie du bon côté. Thank you.
Génial! Merci. Génial! Merci. Génial! De rien. Merci. Allez, les magrettes, c'est l'heure, on les tire de la main, on les tire, on les écoute en bas.
Génial! Merci. Il ne m'a jamais trahi jusqu'ici. Génial! Bon! Merci. Bon.
Merci. C'est pas de la tarte. Elle a besoin du livre de recettes de Gusto. Prends-le dans le bureau et donne-le-lui.
Ok, compris. On doit se décarcasser pour sauver le restaurant. Dépêche-toi, le critique vient de passer commande. Il attend. On dirait bien que c'est la fin des haricots pour le restaurant. Donc, maintenant que Chez Gusteau est fermé, l'esprit du restaurant, l'âme de la grande cuisine, vous la trouverez à la Ratatouille. Parce que Linguini et moi comprenons quelque chose que Skinner ne comprendra jamais. Et c'est une chose que Gusteau a prêché toute sa vie. Tout le monde peut cuisiner, mais il faut de l'audace pour devenir un grand chef.